Je t'appelle, mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri, protège-moi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration des saints mystères en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions. Ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle, qu'elle nous consacre à ton service et nous assiste toujours, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi. Au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit « À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous, comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant de tout cœur nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, glorifie ton nom Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ, notre roi. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ, notre roi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander,
Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai ». Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons voyant cela furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères du fond du cœur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans ce temps du carême qui a une coloration évidemment particulière puisque nous sommes dans le jour 1, j'ai envie de dire, du confinement. Comme si le Seigneur nous mettait particulièrement à l'épreuve, comme si un peu de cette épreuve qui est celle du peuple juif, on se fait l'écho du prophète Daniel, l'épreuve de l'exil, il faut bien voir de quoi il s'agit. Il faut voir que le temple a été rasé par Nabucodonosor. Il faut voir que toute l'élite du peuple de Jérusalem a été envoyée en exil. Il faut voir que tous les moyens du culte et de la prière qui faisaient la fierté du peuple juif, eh bien, tous ces moyens sont perdus. Et ce peuple est dans une grande détresse, il est en exil, au milieu des populations marquées par le paganisme babylonien. Alors la question qui se pose, c'est où t'offrir des holocaustes? Comment t'offrir un culte, Seigneur? Comment faire pour que la prière continue? Comment faire pour que l'espérance puisse continuer à vivre? Voilà la grande crise que connaît le peuple hébreu dans cet exode à l'envers qui est l'exil. Et c'est à ce moment-là, il faut bien comprendre que c'est à ce moment-là qu'a lieu le grand réveil spirituel du peuple d'Israël. Ce grand réveil, c'est cette prise de conscience que s'il n'y a plus de temple édifié, s'il n'y a plus de lieu où offrir des holocaustes, c'est-à-dire sacrifier des animaux, assurer le déroulement de la liturgie, eh bien il y a un lieu qui reste intact. Ce lieu, c'est le sanctuaire de la présence de Dieu, c'est le véritable sanctuaire. C'est notre cœur, nos esprits humiliés, nos cœurs brisés, nous te les offrons, Seigneur. Eh bien, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très fort pour nous dans la situation? Voilà, aujourd'hui, je célèbre la messe dans une église vide. Les rues sont relativement vides. Nous souffrons du fait que nous ne pouvons pas nous réunir pour la célébration de l'Eucharistie. Alors, heureusement, nous pouvons nous joindre à telle ou telle célébration par la télévision, par YouTube, par Internet, etc. Mais nos cœurs sont brisés, nos esprits sont humiliés parce qu'ils ne peuvent pas vivre et respirer à plein poumon. Voilà. Alors que pouvons-nous faire? Eh bien, le Seigneur nous montre la voie aujourd'hui. Si vous vous souvenez, dimanche dernier, il y a eu une oraison dans la messe. Je vous conseille une chose, quand vous ne savez pas comment prier un jour, prenez l'oraison de la messe dans votre missel, dans votre magnificat, dans votre prions l'église, dans ce que vous avez dans l'application que vous avez sur votre smartphone, et prenez comme guide pour votre journée tout simplement une des oraisons. Et de mémoire, il était dit dans une des oraisons de la messe du dimanche dernier,
Seigneur, donne-nous la grâce de pardonner de tout nos cœurs à nos frères. C'est la direction qui nous est donnée pour cette semaine. La plus grande des purifications pour notre cœur, c'est le pardon. C'est le pardon jusqu'au bout à nos frères. Alors Jésus nous rappelle dans cette parabole que si nous pardonnons, c'est parce que nous avons été pardonnés. Si nous pardonnons, si nous pouvons exercer la miséricorde, c'est parce que nous en sommes déjà les bénéficiaires. Le Père nous a pardonné du fond du cœur dans la présence de son Fils qui a offert sa vie pour nous. Donc il nous a offert sa vie jusqu'à la dernière goutte de sang et son cœur continue à couler alors même qu'il a déjà remis son esprit entre les mains du Père. Ça veut dire que les fleuves de miséricorde continuent à s'écouler. Et que ces fleuves, ils doivent passer par notre cœur. Le cœur de Jésus doit passer par notre cœur. Et nous avons le pouvoir redoutable d'arrêter, eh bien, cet effluve de miséricorde. Parce que si le cœur de Jésus se déverse dans notre cœur et que notre cœur est fermé, eh bien, c'est comme des écluses qui sont fermées. Et la miséricorde ne circule plus. Vous savez qu'on parle à propos de l'Esprit Saint dans l'Écriture d'une eau vive. L'eau vive, c'est l'eau qui circule. Et pour que l'eau soit vive, il faut qu'il y ait une arrivée et un départ. Sinon, s'il n'y a qu'une arrivée, s'il n'y a qu'un torrent, eh bien, l'eau va stagner. Et c'est souvent notre cœur qui fait stagner la miséricorde de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est? Ça n'est plus de l'eau vive, c'est une eau stagnante et une eau polluée et une eau qui donne la mort. Que notre cœur ne soit pas cette eau stagnante par lequel le Seigneur veut déverser sa miséricorde sur nos frères. Donc parce que nous sommes pardonnés, avec Jésus nous devons pardonner. Il faut bien comprendre que ce n'est pas nous qui pardonnons à l'imitation de Jésus, c'est Jésus qui continue à pardonner à travers nous. N'oubliez jamais que Jésus sur la croix dit au Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et bien de la même manière, nous devons dire, « Jésus, je te désigne telle chose, personne qui m'a blessé, pardonne-lui, pardonne-la ce péché, cette offense qui m'a été faite, pardonne-la à travers mon cœur, donne-moi la force de pardonner. » Fais en moi ce qu'il ne met pas en pouvoir de faire. Alors, quelle est notre participation finalement si c'est Jésus qui pardonne à travers nous? Notre participation, c'est de lui offrir nos blessures, c'est de lui offrir nos incapacités de pardonner, c'est de lui offrir les personnes ou les situations qui nous ont blessés et nous voyons qu'elles provoquent en nous un blocage. Que le Seigneur ouvre les effluves de nos cœurs pour que sa miséricorde puisse se déployer à travers nous. Eh bien, peut-être que comme effort de la journée ou pour les jours à venir, nous pouvons simplement noter sur notre petit carnet de prière ou dans les personnes à qui nous avons à pardonner, peut-être les rancœurs que nous gardons en nous. Et ça, c'est particulièrement dur, c'est particulièrement humiliant, c'est pardon que nous n'arrivons pas à donner, que nous croyons que nous avions donné, et en fait, le volcan ressurgit dans notre cœur. Nous le lui présentons et nous lui demandons de venir apaiser notre cœur. Que le Seigneur nous fasse cette grâce d'une purification aux vérités. Nous n'avons plus grand-chose à lui offrir. Nous ne pouvons pas nous unir directement à la célébration de l'Eucharistie. Nous ne pouvons peut-être pas aussi facilement que nous voudrions aller nous confesser, etc., faire tous les actes du culte. Mais nous pouvons rendre le culte en esprit et en vérité. Dans notre chambre, dans notre lieu de confinement, eh bien, nous pouvons offrir nos cœurs brisés, humiliés, et nous pouvons demander au Seigneur de faire passer à travers eux sa miséricorde sur les personnes qui se rappellent à notre mémoire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que ce sacrifice offert pour notre salut nous guérisse de toute faiblesse et attire sur nous ta puissance par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus, Deus source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi particulièrement de Françoise Barat. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui porte et enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qui sera reçu dans ta maison, Seigneur, qui habitera sur ta montagne sainte, tout homme qui se conduit bien, qui agit avec justice.
Que cette communion à ton mystère, Seigneur, nous fasse vivre davantage, qu'elle nous apporte à la fois la remise de nos dettes et ta protection pour l'avenir, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussé en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Ex qua mundo lux est orta, Laude Virgo Gloriosa, Super omnes speciosa, Vale o Valde Decora, et pro nobis,